Alors, si nous avons accès et dédié cette exposition aux femmes berbères, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ce sont elles qui, depuis des millénaires, assurent la transmission de l'identité berbère à travers l'apprentissage de la langue avec les enfants, également par la transmission matérielle d'objets dont elles détiennent un savoir-faire exclusif. Je pense en particulier au tissage, dont le vocabulaire décoratif qui recouvre l'ensemble de ces tapis, de ces textiles, assure la transmission de cette identité dans chaque région et dans chaque tribu du Maroc.